Bonjour tout le monde, c'est Gilio. Aujourd'hui, on se retrouve sur le septième épisode de notre série Play, voilà, sur Super Mario 3D Land. Alors, encore une erreur, et du coup, j'ai déjà tout fait, alors on va pas récupérer les médailles étoiles. Simplement vous dire où elles sont, alors on va tout de suite commencer. Alors, la première du prochain niveau, elle va se trouver derrière un grand mur au tout début. Il faudra prendre une communauté parce qu'il y a une espèce de même niveau. Après, il y a le tuyau en haut pour monter. Bon, après, vous voyez. La deuxième, elle se trouve, vous avez deux fois. Soit un qui est un peu, on va dire, engourdi, et un autre qui est normal. Alors, c'est à partir du engourdi. Parce qu'après, vous faire des sombrales. La troisième, c'est, et la troisième, faut juste avoir un peu. Alors, du coup, nous allons tout de suite commencer. Oui, la troisième, c'est voir un top par les jumelles. Parce qu'il nous laisse la médaille étoile. Donc, nous allons du coup faire ça en speedrun. Et à la fin de ce niveau, je vous ferai. Comment on dit ça? Et voilà. Vous ferez un. Je vous. Oh! C'est un mec, c'est qui là? Oh, c'est qui? T'es qui toi? Je vous dirai à la fin du niveau, les trois autres du prochain niveau, qui sera le dernier qu'on va faire dans cette vidéo. Et encore merci, bien sûr, à Phoenix Vita Game. Je l'appelle comme ça, parce que lui, il a la maladie du pain. C'est une fausse maladie, hein. C'est pas une réelle, je vous rassure. Alors, le résumé que vous avez vu au niveau, c'était ça dont je vous parlais. La deuxième, voilà. On a un chemin comme ça, c'est pas mal la médaille étoile. Alors du coup, nous allons passer par là. Je vais tout essayer de tout vous montrer le plus possible. C'est étonnant ça. Voilà. Et là, le jumel, il faut trouver l'étoile, il va vous balancer la médaille étoile. Et nous, vous connaissez le trône de l'étoile, c'est parti. Donc, je te fais une dédicace sur le game, parce que tu m'as en plus... Oh, les drapeaux dorés, parce que j'avais pas récupéré quand j'avais enregistré au début. Je te fais une petite dédicace, et merci beaucoup, parce que c'est toi qui m'as aidé à créer mon intro, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent. Merci, franchement. Et dédicace à Gilet Games. Et tout ça, mais alors, j'ai écrit une playlist, en fait. Et là, j'ai oublié de dire, vous êtes limité. Non, c'est pas grave, je vais vous montrer un peu mieux. Alors, bien sûr, avant de commencer, deux secondes. Voilà. Alors, Gilet Games, faut pas me confondre. Alors, j'ai écrit une playlist de Super Mario Bros. 3 qu'on va faire en multijoueur. J'ai pas Gilet Games, c'est moi. Oh là, je commence à attraper la maladie de fond, je vis avec lui pas. Alors, avec Gilly Games, on a décidé de faire un let's play, un multi, tous les deux, tout... Je sais pas. De temps en temps. Il faudra attendre. En tout cas, ce sera pas ce week-end que ça sortira. Donc ce sera sur Super Mario Bros. 3. Bien sûr, en virtual console de ma Wii U. Parce que j'avais fait que j'ai des tests dessus. Alors du coup, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira ce let's play. Et du coup, maintenant, nous allons continuer le let's play habituel qu'on est en train de faire. C'est parti. Hop là. Yippi. Et là, je vais vous appliquer une nouvelle étoile en plein niveau sur votre solus. Alors, la première, c'est trop... C'est Mario, si tu veux bien. Voilà. Mario, ça... Voilà. Je sais plus ce que... Alors la première se trouve juste en haut là, à l'horloge du sang. Hop. La première se trouve ici. Hop. J'ai dû ramasser, il me donne trois pièces. C'était chaud. Un bout de papier? Non. Trois tournées de papier. J'aime bien ce que je vois, Joël. Et je ne sais pas si je vais faire le display. Mais je pense pas, les RPG, c'est pas mon truc. C'est pas mon fort, les RPG. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais aimé. Et voilà, c'est parti, on continue.
arrête de vous donner le noyau à un maillot. J'ai perdu le contrôle. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Alors, c'est ici que je prends la... Pourquoi mes yeux étaient... Voilà. Le deux secondes. C'est un cahier pour ça. Voilà. Et là, c'était la deuxième Alors, la troisième, vous allez me dire, ouais, ça se trouve, parce que c'est un peu trop dangereux. Et la position dans laquelle je filme, et une position dans laquelle je filme, vu que vous avez vu comment je dégénérais sur les passages avec ces nuages, je préfère ne pas vous montrer, parce que c'est beaucoup trop dangereux. Faut être sûr, les gars. Bon, attendez, je vais. Prêt? J'y arrive. Oh! 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 Bon, là, quelques petits notes de musique à récupérer qui sont sympas. Oh, c'est excité! Yeah! Là, il faut monter sur ce bloc, se laisser transporter et après on aura la médaille étoile plus sa batte. Alors, moi, cette fois, je vais passer par ce passage. C'est juste pour ça. C'est un truc simple. En plus, je suis même parti par là, parce que je vais me traiter avec mon bloc. Toi, qui. Bim! Hop là! Alors du coup voilà les gens, c'est déjà la fin de ce 7e épisode sur Super Mario 3D Land. Si vous avez plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires, à me poser des questions, à partager cette vidéo et à liker. Voilà. Et regardez ma vidéo de Triforce et Rose. C'est un masque en live, j'ai pas réussi à mettre l'intro. Peut-être parce que j'ai fait beaucoup trop de vidéos. Du coup, je peux pas mettre l'intro. Bah du coup c'est pas grave, on verra ça plus tard, je verrai plus tard si je pourrais la mettre. Alors le prochain épisode je vais pas le faire tout de suite, mais ce sera après, ou demain. Mais si je le fais tout de suite, après. Mais c'est pas sûr. Alors du coup moi sur ce, je vous dis tout le temps, enfin voilà. Et sur ce, je vous dis, voilà.